Et de retour dans Laetitia Path of Progress. Donc continuons tranquillement la campagne par la mission 14 après Nevelt Lockmaller. Alors, 8 000 unités de joaillerie de bijoux comme tribut et 20 000 florins dans la trésorerie. Bon, il va falloir exporter. Pas de soucis. Un lac. Au milieu des montagnes, vous êtes sûr? Ça ne semble pas être un endroit très idéal pour construire une cité. Mais après tout ce que vous avez accompli, pourquoi devrais-je m'en faire? Vous êtes le plus compétent des urbanistes que j'ai jamais rencontré, après tout. Donc, pour construire une cité à cet endroit, c'est vraiment un challenge. Un dernier challenge fantastique pour Hélène. Ah, il y a une typo là, challenging. Une tâche vraiment difficile. Juste avant sa retraite bien méritée. Hélène glance upon, c'est observer ou regarder toutes ces cités depuis le sommet des montagnes. Elle va assurément laisser un héritage impressionnant. Ok. Du coup, si on est sur la même map qu'avant, qu'est-ce que je vais pouvoir exporter? Alors, on peut faire des pêcheries, ça c'est bien, à moins qu'on n'ait pas de place. On peut juste faire des potatoes. Oh là, on peut rien produire là. C'est pas grave. Alors, niveau mine, là on a 3 geysers, là on a de l'or. D'après la carte, ça ferait 4 gisements. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je sais pas compter, ça fait 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 gisements de fer. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 gisements de cuivre. Ah là, pour le coup, c'est malin. Est-ce que je peux exporter? Ouais, je peux exporter du verre. Hein. Enfin, si je peux exporter du verre, c'est cool. Hein. Parce que du coup, ça devient facile en fait. Je peux pas produire de soie. Ça, par contre, c'est con parce que. Parce qu'il y a tout le monde qui achète de la soie. Mais bon. Lockmaller, alors là c'est nous. Nimstadt, c'est pas très intéressant. Ça achète du fer, donc c'est bien. Nevelt Vessel, pas intéressant. Il achète du fer également, ainsi que des ustensiles, c'est pas mal. Lui de l'or, donc on prend assurément. Et lui de ça. Ok, bon bah. Ça va pas être très dur de gagner de l'argent. Par contre, effectivement, il n'y a personne qui achète du verre en fait. Ok, alors on va se faire. On va se faire 3 blocs. On va se faire 3 blocs. On peut bien placer de ça. Hein. Ouais. Ok, donc je vais faire les 3 blocs genre ici. Ok, allons-y. Toute façon, il y a les champignons à feuilles ici. J'ai pas regardé si on avait d'autres. Non, donc ouais, c'est la meilleure place. Oups. Putain, évidemment, ça a créé des maisons. Juste remettre en pause. Alors, ah, l'autre maison, elle est là.
On va juste, en fait, faire une route qui va genre passer comme ça. Ouais, je vais les mettre là. Allez, 4, 5. On y passe 5, 1. Hop là, on active le temps. Ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est bon. Ouais, ça fait quand même. Faut que je fasse gaffe, du coup. Une partie de notre cité, il y avait marqué Inders, je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Hop là. Ok, très bien. On met les barrages routiers. À 11 000 seulement. Ok, donc on est un grenier. On le met là. Il refuse tout sauf le poiscaille. Allez, pour 600. Les gens ils arrivent, je vais commencer à mettre de ça qui refuse tout sauf le poisson. Voilà, c'est l'or qui est le plus intéressant dans un premier temps, par contre c'est aussi le plus loin. Du coup, il va falloir que je construise en fait. Condensateur de vapeur, je vais quand même le construire là, au milieu. Alors, je vais juste mettre la route comme ça. Ok, la
là c'est bon, on construit d'autres. Quelques autres pêcheries. Je mets tout de suite ça. Pouf. Alors, je vais également mettre la mairie. Pour le coup, je la mets là. Putain, je suis déjà à 7000 seulement. Ouais, je mets la mairie là. Donc, clairement, solaire en bas, impôt en élevé, autant pour moi. Voilà. On met tout de suite. Allez, un deuxième comme ça. Voilà, donc lui ici il prend tout. Il refuse tout, il accepte ça, le poisson. Du coup, là, en fait, je vais prendre ces vapeurs là. Il n'y a pas de raison. Pouf, pouf. Sangdank. Ah. Donc depuis des mois, les gens ont tenté de construire un barrage pour détourner une rivière dans les terres intérieures. Ils demandent 2000 sacs de sable dans un an. Ouais, donc ils vont demander des tributs de sable. On verra ça. Hop là. Voilà, donc j'ai plus trop d'argent, c'est ça qui est pénible. Donc niveau or, qu'est-ce que je peux. Je vais essayer de pas faire banqueroute. Du coup, je vais sans doute sauter ce tribut-là. Je vais construire lui ici. Alors, je peux exporter de ça. De ça. Ok, alors, on a dit l'or est tout là-bas. Évidemment. Donc je vais construire au moins deux. Hop là. Pour commencer, au moins deux mines d'or. Se met un gros entrepôt. J'ai fait 4000 balles. L'entrepôt, je le mets. Ouais, là. Oups, oups, oups. Allez, 1200. Il accepte. Il accepte l'or. Pour 1200, il accepte. Les trucs comme ça. Donc les joyaux, les bijoux. Pour 1200, il va accepter le sable également. Quand même essayer de réussir ce tribut. Là, il m'en faut 2000.
Sable, sable. Hop là, du coup on va en fait mettre ça ici. Ensuite, évidemment. Ici, il manque lui. Ici, il manque... Et merde, il est mal construit, lui. Putain. C'est pas grave, on le met de l'autre côté, l'autre. Voilà, il prend du poisson également. Tchutchutch. Les décos encore. Voilà, les grands arbres. Voilà, les gens ils arrivent tranquillou. On en est où du chômage? 16%, c'est très bien. On peut fonctionner ça. Oups, oups, oups. News tragique. Un groupe d'explorateurs renommés a disparu. Toutes les unités de recherche, non, une unité de recherche a uniquement trouvé les ruines de leur aérostat, mais pas de survivants. Donc tous les citoyens sont choqués. Beaucoup avaient suivi leurs aventures à travers les journaux, donc les citoyens deviennent moins contents. Alors là pourtant ils sont bien, ouais, mais en même temps j'ai pas assez de population. C'est quoi? Je vais juste... Yes. Hop là. On va en construire donc lui et lui. Voilà. On va également se faire un autre entrepôt ici. Hop. Il y a pour seule mission d'accepter de ça. Pour 1200. Voilà. Du coup, on est à 3700. On construit. On construit de ça. Alors, là j'imagine, moins 2, ouais, c'est pas super. Tant qu'ils ne deviennent pas tout rouges, ça sert à rien. Donc ensuite, exporter du fer. Exporter 2400 de fer. Ensuite, au niveau chômage, 11%, très bien. Donc, 1, 2. Donc il accepte le fer, sable en 1400, c'est bien. À tout hasard, on met 1200. Niveau argent, on est stable actuellement. Les gens sont contents, on se demande pourquoi.
Moins 4, 8. Hop là. Manque un mois. Putain, je les aurais pas. Chiant, j'aurais que 1800. Quand même leur laisser 2400. Ok, donc là on est bon pour l'instant. On manque de bouffe. Eux ils ont dévolué. Il y a l'empereur est déçu. Est-ce que ça pose un problème? Non, ils sont tous vides là. Ok. Alors, qu'en est-il de sa production à lui? Il est à 0. On va rajouter une autre. Un autre extracteur. Voilà. Eux ils bossent tranquillou. Ok, donc là niveau argent on est bon. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai un bonus pour la variété de la nourriture. Parce que j'ai pas de variété de nourriture. Du coup, what the fuck quoi. Mais bon. Tant mieux hein. Hop là. Voilà, donc c'est déjà la fin du premier épisode de cette mission. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer cette mission. 14 ans de l'Otis Path of Progress. À plus.